Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto badge qui va être un badge pour une laborantine. Alors, on aura besoin de pâte. Alors moi j'ai pris de la cernite, vous pouvez prendre ce que vous voulez en pâte. Vous pouvez prendre de la fimo, de ce que vous voulez. Moi j'ai pris ces deux couleurs, donc deux couleurs bleues. Et là vous allez ramollir chaque petit morceau que vous avez coupé et les aplatir au cran numéro 2 avec un petit rouleau. Avec un emporte-pièce donc carré, vous allez faire deux parts égales avec chaque couleur. De là, vous allez couper en deux chaque petit carré pour former un dégradé. Donc vous en mettez deux de côté. Là, vous passez bien votre doigt au milieu pour bien faire adhérer une pâte avec l'autre. Un petit coup de rouleau. Et là, vous allez plier et bien sûr le passer à la machine en faisant un dégradé. Si vous ne savez pas faire les dégradés, je vous invite d'aller voir des tutos. Il y en a beaucoup sur Internet. Et là, sous cette pâte, je vais y remettre du bleu. Voilà, je ne l'ai pas montré en vidéo. Au cran numéro 2, une autre pâte que j'ai aplatie et j'ai mis par-dessus mon dégradé. Avec mon emporte-pièce, je viens emporte-piécer ma pièce. Avec bien sûr, oui, du film alimentaire pour pouvoir faire un genre de bombé. Là, je corrige les petits défauts qu'il peut y avoir. Là, j'attrape mon emporte-pièce. Je ne vais pas y arriver. Voilà, et là, je coupe les petits bouts qu'il y a en plus pour que ce soit bien net, bien propre. Et là, vous mettez un bon coup et ça tombe. Voilà ma première étape, en tout cas. Là, c'est cuit. Donc, ça y est, je l'ai passé au four. Donc, bien sûr, je l'ai passé à 130 degrés pendant une demi-heure au four, puisque c'est de la cernite. Et là, je vais commencer à préparer, en fait, le prénom et les petites choses que je dois mettre en plus, comme Coralie Labo, la personne qui veut ce badge, voulait que j'écrive ça. Donc, du coup, je le prépare pour pouvoir mettre mes décorations autour et pour pouvoir savoir où les mettre par rapport à garder la place pour l'écriture, bien sûr. Je vais venir faire tout ce qui est décoration de mon badge. Donc vous allez voir, je vais vous laisser en vidéo regarder. Là, je vais faire la petite seringue, donc bien sûr avec de la translucide, de la pâte rouge au milieu, de la translucide et après de la pâte blanche. Donc là, je suis en train d'essayer de faire une seringue. Voilà, donc je vous laisse en vidéo pour regarder tout ça. Avec donc l'écriture pour voir la place que j'ai pour coller, mettre mes petits accessoires.
Et là, avec la pâte noire de Cernite aussi, je vais venir créer un microscope optique noir. Donc là, vous allez voir la vidéo. Voilà, vous allez voir comment je fais le microscope. Ça a été un peu compliqué. Vous allez voir, je fais, je refais, je défais. Mais bon, voilà, je vous laisse visionner tout ça. À tout de suite. Du film alimentaire pour pouvoir essayer de souder toutes les parties du microscope. Délicatement bien sûr, il faut le faire. Et après donc du coup je suis venue chercher de la fimo liquide pour justement coller la seringue et mon microscope. Du coup, j'ai dû le remettre en petits morceaux parce que du coup, entier, c'était impossible de le poser. Et je m'aide toujours de mon petit bloc avec les écritures pour pouvoir bien le positionner, pour pas gêner, pour après faire le tamponnage. Et par contre, ce que je voulais vous dire, c'est faut pas faire un cran trop épais, le microscope et la seringue. Pour qu'en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, avec la plaque où il y a l'écriture, je plaque à chaque fois pour que je puisse tamponner après. Que le tampon passe. Donc du coup vous le verrez plusieurs fois, je le remets plusieurs fois pour vérifier ça. Donc là nous avons collé le microscope et on va coller donc la seringue. Toujours je regarde que j'ai assez de place. Et là je vais venir faire trois médicaments, un blanc et deux bleus. Donc là, je viens récupérer de la pâte en plus pour pouvoir faire, on va faire le dos en fait du badge qui est en train de cuire à 130 degrés pendant une demi-heure. Et là, on va faire donc le derrière de la pièce. Donc pareil, j'aplatis bien avec le rouleau sur un carrelage. Là, c'est la petite attache qu'on va mettre derrière pour pouvoir accrocher le badge. Alors là, vous voyez qu'au début, je fais avec les petits l'emporte-pièce, le même avec... l'effet gâteau là, et vous allez voir que par la suite en fait je vais faire dans l'autre sens, voilà, pour que ce soit plus joli, parce qu'en fait je pense que ça rendra beaucoup mieux. Donc toujours avec ma fimo liquide, je vais venir donc coller la partie de derrière avec une lingette. Je viens à mettre partout parce qu'il faut bien que ça se colle de bien. On essaie de pas faire de bulles. Et là, vous arrangez le derrière, vous regardez que ça dépasse pas. Avec mon rouleau, je prends à la main comme ça, je l'aplatis comme ça, au moins ça adhère bien à la pièce en fait. Et là, je reviens faire avec mon emporte-pièce le rond pour que ce soit très propre et fin. Que ce soit pas n'importe quoi, voilà, que ça reste régulier.
avec après des outils, vous modelez le tour, vous nettoyez, vous regardez que tout aille bien. Et après, moi, je texture avec une éponge, voilà, pour que ça fasse beaucoup plus joli, plus fin. Et après, vous arrangez à votre sauce. Là, je viens donc mettre l'attache. Et donc, pour ça, on va consolider cette attache en passant de la pâte dessus. Donc là, je l'insère un petit peu dans la creuse, un petit peu dans la semelle de ma pièce. Et là, je vais venir donc mettre de la pâte par-dessus l'accroche. Je vous laisse regarder en vidéo. Avec ces petits tampons FC, je marque fait chatouille. En fait, j'essaye de signer toutes mes pièces que je fais. Et là, vous voyez, je vais coloriser un petit peu avec de la poudre mica blanche. Voilà, pour faire un derrière sympathique. Voilà, pour pouvoir décorer le derrière. Je trouve que c'est très agréable quand une pièce est bien terminée. Après, libre choix à vous de faire comme vous voulez. Et donc là, nous avons passé tout ça au four et maintenant on va faire l'écriture du prénom et le travail, donc labo. Donc je prends de la Versafine, Versamark, pardon, et je vais venir tamponner mon tampon sur la Versamark et mettre de la poudre à embosser blanche. Donc je vous laisse regarder. Ah oui, là je mets des petits morceaux de pâte dessous pour équilibrer en fait ma pièce pour pas que, comme il y a la tache derrière, ça traîne dans tous les sens. Donc du coup, eh bien, je l'ai calé avec de la pâte et comme ça au moins ça ne bouge pas et ma pièce est nickel. Il n'y a que le C qui n'a pas marché bien sûr. Donc je l'ai repris tout seul et c'est pas grave, j'ai retamponné avec, c'est pas un souci. Donc voilà, on a réussi à faire. Et après du coup, vous allez prendre une feuille blanche, vous allez partager, vous allez plier en deux en fait pour pouvoir mettre votre pièce dessus pour récupérer en fait la poudre à embosser. C'est beaucoup plus pratique pour la récupérer, vous allez voir. Donc là, vous passez votre pièce et là, je passe... Je saupoudre donc de ma Nouveau Blanche poudre à embosser que j'ai acheté à Horizon Créatif. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si la poudre vous plaît. Et donc là, bien sûr, avec mon gun, je viens chauffer tout ça pour faire adhérer l'embossage. Avec un pinceau, vous venez rectifier les tours, les choses qui ne vont pas, vous pouvez les rectifier. Là, je viens chercher un Posca blanc parce qu'en fait, sur quelques pièces, il y avait une petite tache rose. Et là, il manquait un petit bout de pâte blanche. Alors du coup, j'ai mis du stylo et avec mon crayon Posca noir, je suis venue faire les graduations de ma seringue. Donc vous faites un trait droit
Et après, un gros trait, deux petits, un grand, deux petits, un grand, deux petits, un grand. Voilà, après à votre guise. Donc voilà le rendu. Là, je viens faire des petites fleurs. C'est un peu ma marque de... Ma marque que j'aime bien sur mes badges. Je fais toujours des petites fleurs. Et donc, après, donc j'ai mis tout le même système avec de la pâte, mais sur un couvercle pour pouvoir bien sûr le passer à la machine à UV, à la lampe UV, pardon, puisque là, nous allons résiner notre pièce. Donc, je la cale bien avec de la pâte. Voilà, vous regardez que ce soit bien droit, parce qu'alors là, on va résiner. Donc, du coup, faut vraiment que la pièce soit droite. Donc moi je rectifie, j'arrange pour que ce soit bien bien droit. Et sur un couvercle, je vous l'ai dit, mais ça c'est vraiment important pour pouvoir après l'amener dans votre lampe. Là donc j'utilise la résine UV de chez Résine Pro. Où je viens l'étaler partout partout. Et je viens de m'aider d'un cure-dent pour pouvoir en mettre bien sur les bords, bien... égaliser aussi la pièce, il faut toujours vérifier. Et après, je viendrai y insérer donc des paillettes que j'ai achetées dans la boutique Chouette Hall. Pareil, je vous mettrai les liens de sa boutique en barre d'infos. Et donc là, ah oui, avec un briquet, si vous voulez enlever les bulles, c'est très pratique, je vous assure. Vous passez un coup de chalumeau là, de feu, et vos bulles disparaissent. Donc du coup, je l'ai fait, et après, juste après, j'ai mis les paillettes que je vous ai parlé, donc qui viennent de la boutique de Chouette Hall. J'en mets un petit peu partout, et je repasserai tout ça donc à la machine, dans la lampe à UV. Bien sûr, les petites paillettes, il faut les enfoncer un petit peu pour pouvoir les adhérer dans la résine. Là, après, donc, les petites dernières finitions qui font tout. Avec un pinceau, je suis venue donc vernir le tour du badge, les accessoires du badge qui a le microscope, la seringue et les cachets, le tour du badge et le dos. Donc je vous laisse regarder en vidéo. Je vous remercie énormément pour le visionnage de mon badge et je vous dis à bientôt pour une autre réalisation. Ciao ciao tout le monde, à bientôt!